raison d'abord de parler de bienveillance. J'étais un peu surpris de voir que on me répondait comme si j'avais attaqué la confession, la religion protestante. J'étais très surpris d'abord parce que, comme vous savez, un républicain est un calviniste imparfait. C'est-à-dire qu'il ne se consacre pas assez à la lecture et il ne se consacre pas assez peut-être à une certaine fraternité. Bref, j'ai toujours eu plus que de l'estime pour ce qu'on doit dans la tradition républicaine à ces apôtres de l'éducation, car vous êtes un peuple d'élite, sûr de son méthodisme et pas du tout dominateur mais éducateur. Et vous avez éduqué les républicains et on vous doit énormément. Donc je n'ai absolument aucune, je dirais, animosité, bien au contraire. Simplement, j'ai essayé d'articuler, je dirais, deux révolutions technologiques avec deux types de revival, enfin, ou plutôt avec l'instauration calvino-luthérienne du sola scriptura, 16e siècle, qui me semble lié à l'imprimerie. En ce sens, vous êtes les enfants de Gutenberg. Par le sola scriptura, bien entendu, l'autorité souveraine de l'écriture, ce qui suppose que l'écriture soit accessible, ce qui suppose donc un certain Gutenberg. Et puis, me semble-t-il, il y a eu une deuxième génération qui ne sont plus les enfants de Gutenberg, mais les enfants de McLuhan, pour ainsi dire, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler, alors, les appellations sont diverses. Enfin, ce qu'on peut appeler le néo-protestantisme, qui est une formule, comme tu as raison de le dire, tout à fait inepte, parce que le protestantisme est néo par définition, puisque Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, il y a toujours du travail, et le protestant n'a aucune raison de ne pas protester, y compris contre les siens. Donc le néo est en quelque sorte intrinsèque, inhérent à la confession protestante. Cela dit, il y a tout de même, si j'ose dire, une nouvelle vague de néo qui me semble liée, non pas à un retour à l'écriture, mais à un retour au corps, à l'émotion, via le son, via la danse, via le protest-son, via le swing, c'est-à-dire après la dévotion moderna, il y aurait une dévotion post-moderna qui correspond effectivement à un nouvel état des sensibilités, elle-même fondée sur un nouvel état des technologies. Bon, c'est en sens que peut se faire une convergence avec le monde américain dans la mesure où c'est aux États-Unis que se sont créés et que continuent de se créer depuis le début du XXe siècle et même avant avec la photographie que se sont créées ces nouvelles technologies. Donc après, la centralité de l'écriture méditative est venue, je dirais, la centralité du témoignage émotionnel porté par cette nouvelle état des lieux, ce nouvel état du monde. Et donc je suis bien été forcé d'enregistrer qu'il y avait non pas une lutte, mais certainement un décalage. Et je ne m'étonne pas trop que s'il est vrai que même en Europe, la sociologie nous indique que le luthéro-calviniste est majoritaire. Dans la pratique, il me semble qu'on voit un dynamisme, un prosélytisme, un vecteur très fort dans le monde évangélique, et un vecteur dynamique qui sont les États-Unis d'Amérique. Il y a tout de même à mon sens, un décalage, on peut avoir un étonnement, ne serait-ce que politiquement. Je parlais hier avec Candido Mendes, qui est un grand catholique, responsable au Brésil de la plus grande université privée, et il me racontait que le monde évangélique au Brésil est évidemment
conquérant, mais qu'il est à la droite de la droite. Je n'ai pas l'impression que le protestantisme libéral ait été à la droite de la droite en France. Et c'est même très étonnant, n'est-ce pas ? Et on trouve un peu ce phénomène aux États-Unis aussi, n'est-ce pas, autour du Tea Party. Donc c'est un indice, si vous voulez, tout de même, d'un changement d'éléments. Alors, je ne dis pas que les canalisations ont été cassées, mais je dis que les anciennes canalisations se voient doublées par de nouvelles canalisations, et avec un transfert géographique qui est intéressant, parce que c'est, disons, par le biais du Sud, enfin, du monde négro-antillais, mais également du monde latino, que nous arrivent... Et asiatique, maintenant. Et maintenant asiatique, avec la Corée, par exemple, que nous arrive une sorte de, je dirais, de peut-être de transmission, donc peut-être de trahison, mais en tout cas de continuation de l'impulsion protestante qui trouve comme un deuxième souffle, qui trouve dans un deuxième souffle, d'ailleurs paradoxal, parce que les tenants de l'Esprit Saint sont très portés sur le corps, bon, beaucoup plus que sur l'Écriture et sur, disons, la tradition rationnelle, réflexive, philosophique du calvinisme. Ce que je dirais fondamentalement pour comprendre l'éthos protestant, c'est bien l'idée qu'il faut afficher. C'est ça, c'est le geste de Luther. Et on retrouve ça chez Calvin sur l'économie, etc. Il faut afficher. Afficher ce qu'on croit, dire ce que l'on croit, faire ce que l'on croit, être bon, etc. Il y a un souci de cohérence adulte, on va dire. Hein, bon. Et donc c'est un point, je crois, en effet très important. Mais se bouger dans l'image du protestantisme, on va dire d'un côté directement branché, les témoins immédiats, et de l'autre côté l'interminable herméneutique, interprétative, dans laquelle on n'a jamais fini de corriger l'interprétation, ça paraît complètement contradictoire. Ou bien d'un côté, le moralisme puritain au sens de élisabétain, hein, au sens du 19e siècle, hein, bon, l'austérité. Et de l'autre côté, l'immoralité, enfin, ou plutôt le libéralisme moral total des pays anglo-saxons sur plein de questions de bioéthique, on le voit tout le temps, et sur les questions conjugales, ou sur les questions de mariage, etc. Comment combiner ces deux choses ? Il y a le rationalisme dont tu viens de parler, la critique de la religion, qu'on trouve jusque chez Jacques Ellul, hein, la critique de vraiment la démolition de la religion, au nom de la foi peut-être, mais quand même la démolition de la religion, de la ritualité, de ça. Et de l'autre côté, le prophétisme, l'émotion, le parler en langue, enfin tout ce que tu as décrit. D'un côté, les signes de l'élection, la prospérité, donc le capitalisme, et de l'autre côté, la révolution puritaine, alors là, la révolution anglaise de 1649, qui est vraiment égalitaire, les renters, les levelers, les diggers, on redistribue tout, abolition de la propriété, c'est vraiment la première révolution. En ce sens-là, c'est une parenthèse, mais on ne comprend pas la révolution française sans la révolution américaine, qui elle-même ne se comprend pas sans la révolution anglaise. Il y a une transition là qui est vraiment très importante. Et le côté du citoyen frugal et révolutionnaire, c'est Rousseau, mais ça vient de cette révolution anglaise, il faut le comprendre. Donc, pour moi, ce n'est pas une opposition massive, c'est plutôt une équation extrêmement complexe, chaque fois, entre ces deux aspects, transparence, opacité, etc., et qu'il faut arriver à comprendre et qui est difficile à comprendre, je le comprends tout à fait, mais on ne peut pas les séparer en disant ils sont que transparents, ou ils sont que ceci, ou ils sont que cela, c'est un peu compliqué. Et alors, j'en viens à ta question, qu'est-ce qu'on fait avec l'apport de ce sang chaud ? C'est toute notre question dans nos temples. C'est une question de nos facultés de théologie. Notre faculté de théologie boulevard Arago, on peut le dire, elle est submergée de sang chaud. D'ailleurs, on le voit parce que lorsqu'on dit que Moïse, je m'appelle ma collègue professeure d'Ancien Testament, Corinne Lanoir, qui dit en cours que bon, on n'est pas du tout sûr que Moïse ait écrit ses livres, ni même qu'il ait existé, on entend en cours quelqu'un « Ouh, c'est chaud !» Oui, en effet, c'est chaud. Pour des gens qui pensent que la Bible est directement, fondamentalement, une dictée de la part de Dieu, évidemment, c'est assez chaud. Donc, que c'est un livre entièrement inspiré, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce que c'est des problèmes de culture, de choc entre des styles, déjà. Profondément, c'est des styles de vie, des formes de pensée, des formes de vie, des formes de témoignage, des formes de foi, etc. Mais, en même temps, on a foncièrement besoin les uns des autres,
au sens simplement où il faudra bien cohabiter. C'est aussi un problème pour penser, et je pense aussi à la France de demain, en général. Dans la France de demain, il faudra bien que nos banlieues, moi je vois très bien à Nîmes, où il y a j'habite à Nîmes, hein, il y a une ségrégation entre le centre et la banlieue, et la périphérie, qui est incroyable. Il y a des gens que je vois passer devant chez moi, parce que j'habite juste à côté de la gare, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens? Et donc, je pense que nos banlieues, nous avons quand même un énorme problème en France avec nos banlieues, qui est un peu caché par notre jacobinisme, d'une certaine manière. Hein. Pour moi, j'ai peut-être un débat avec vous, toi, là-dessus. Et donc, je pense qu'il nous faut absolument travailler à faire une émulsion entre ces populations humaines, qui sont écologiquement des colonies, si je peux dire, hein, des colonies, mais nous avons été des colons, ils ont été des colons, ils sont des colons, il n'y a que des colonies. Il faut les faire rentrer en émulsion un peu plus fine, et ça nous demande un travail de greffe mutuelle. Comment est-ce qu'on va greffer ça? Et là, excuse-moi, mais je dirais la première chose que je dirais, c'est, quand je vois la situation de nos facultés de théologie, la théologie, c'est des canalisations. C'est pour que l'énergie énorme de foi qu'il y a dans ces traditions religieuses, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient protestantes, néo-protestantes, si tu veux, pour qu'elles ne fassent pas tout péter, il faut bien les canaliser. Il faut bien qu'elles passent par aussi un travail d'instruction, un travail de différé, un travail de canalisation. C'est des institutions, c'est en effet le... Après, Ricoeur me disait, on ne comprend plus l'épaisseur des dogmes lorsque la foi a disparu. Mais quand il y avait la foi, il y avait besoin de dogmes très épais parce qu'il y avait besoin de canalisation épaisse pour canaliser cette énergie qu'il y avait dedans. Et c'est ça qu'on ne comprend plus. Après, c'est une réflexion de médiologie qu'il faisait là, à ce moment-là. Donc voilà, je crois que nous avons besoin. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Eh bien, il faut ouvrir la porte, je pense. Il faut le penser frontalement. Il faut le penser aussi comme en termes de frontières. Il faut aussi le penser en termes de rapport de force, qui est aussi un problème démographique. Donc on a besoin de tout le monde pour nous aider à accueillir les nouveaux, si je peux dire, dans tous les sens. On a besoin de s'accueillir mutuellement, mais il faut être dans une proportion. Et je pense qu'on a besoin aussi du soutien des pouvoirs publics. Les facultés de théologie ne peuvent pas être des petits strapontins complètement écartés, cachés, etc., en dehors de l'espace public. Je te raconte juste une histoire. Un jour, on me téléphone de la télévision, ça m'est arrivé d'ailleurs trois fois. On me dit « Ah, Olivier Abel, on aimerait bien, pour un débat télévisé, avoir votre discours sur tel sujet. Mais il ne faudrait pas que ce soit vous, parce que vous êtes professeur dans une faculté de théologie. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait le faire, qui pourrait dire un peu ce que vous dites, quoi? Tu vois l'état dans lequel nous sommes. C'est ça la laïcité aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense que nous sommes actuellement extrêmement faibles face à ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est que la plus grande ville francophone du monde, c'est Kinshasa. C'est pas Paris. C'est plus Paris, c'est Kinshasa. Et cette ville, elle est majoritairement protestante. Ce qui nous arrive, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, demain? On ne peut pas tenir les frontières interminablement. Ou alors, il faut justement penser les frontières à l'âge de la mondialisation. Il faut repenser la frontière. Moi, je suis d'accord. Il faut penser la frontière, mais il faudra la repenser face à un défi gigantesque. Voilà un peu comment je vois le problème. Il est vrai que, excusez-moi, mais comme dans toute confession, le calvinisme, c'est le pire et le meilleur. On est d'accord. Non, je dis ça parce que souvent, on a une vision très française de la tradition huguenote. Et évidemment, le huguenot est un minoritaire, persécuté, les dragonnades, etc. Mais enfin, quand vous regardez ailleurs, ce n'est pas le sentiment que les luthériens ont donné en Allemagne. Ils ont au contraire renforcé l'obéissance à l'État. Ce n'est pas le sentiment qu'on avait en Afrique du Sud, hein. L'apartheid, c'est calviniste. Les puritains du Massachusetts n'épousaient pas les femmes iroquoises. Autrement dit, on ne se mélange pas. Il y a aussi cette tradition, damné versus élu. Bref, c'est vrai que le « en même temps » peut aller du pire au meilleur, et je dirais du plus secret au plus... pas exhibitionniste, mais parfois démonstratif, peut aller, comme tu le dis, du rationnel au prophétique. Ça fait la richesse de ce monde, disons-le. Enfin bon. Et il faut tout de même, oui, se souvenir que le calvinisme n'est pas par essence persécuté. Il peut être persécuteur. Mais heureusement, il ne l'a pas été en France.
Quant à cette montée d'une nouvelle énergie qui a d'autres codes que les vôtres, c'est effectivement un problème qu'on ne voit pas trop en France. D'abord parce que un islamiste avec sa toque et sa barbe, ça se prend en photo. Un pentecôtiste ou un évangélique, non. Et puis par ailleurs, les méga-churches, les hangars et les temples évangéliques, c'est plutôt en banlieue qu'à Paris. Et donc, nous n'avons pas bien conscience de cette montée. Vous êtes, vous, au contact, mais nous, disons, en centre-ville, nous ne la voyons pas. Et on oublie que dans la Seine-Saint-Denis, il y a plus de protestants que de catholiques, numériquement parlant, par la présence précisément des immigrés. Alors oui, je crois que tu as raison, les pouvoirs publics devraient compter sur vous, d'abord parce que vous êtes de très bons éducateurs, enfin depuis Comenius, c'est très longtemps, vous savez faire, et puis vous avez ce privilège d'être en contact avec ces nouvelles populations immigrées et d'avoir avec eux un langage commun, en tout cas un texte commun, même si il n'est pas interprété de la même façon. Et tu sais, Olivier, que là-dessus, c'est vrai, la laïcité dont vous êtes pourtant les promoteurs historiquement et dont nombreux sont les continuateurs, je me place parmi eux, la laïcité se voit aujourd'hui en but à des, je dirais, à des résistances de l'État profond, ou peut-être de l'éducation profonde, puisque, je ne sais pas si tu es au courant, mais un instituteur près d'Orléans a été mis à pied par dénoncer par sa hiérarchie parce qu'il avait ouvert une Bible en classe. Parce qu'il avait voulu répondre à des questions de ses élèves et qu'il avait fait deux ou trois cours sur des passages canoniques de la Bible, la traversée de la mer Rouge, etc. Lui-même n'était pas... En plus, il a été sanctionné et il est agnostique. Eh bien, le fait d'avoir ouvert une Bible, c'est incroyable. Où est-ce qu'on en est ? Pour vous dire où est-ce qu'on en est. Alors, ceux qui, comme moi, ont prôné l'enseignement religieux dans l'école de la République se sentent un peu gênés devant ces choses-là. Donc j'ai été voir le ministre, etc. Mais je sens qu'il y a une résistance très sourde, sauf à Strasbourg, sauf dans les départements sous concordat. Mais tu poses un vrai problème, et c'est vrai que vous êtes... puisqu'aujourd'hui, nos dirigeants sont des directeurs de ressources humaines, des DRH, il faut leur mentionner que vous êtes là. Vous êtes une ressource disponible pour, je dirais, bon, quel mot ? Pour intégrer, tout simplement, ou coexister, ou favoriser la coexistence avec ce qui peut tourner au fondamentalisme. Car il y a aussi ça, hein. Les catholiques sont intégristes, mais quand les protestants sont fondamentalistes. Et comme tu sais, nous, on est puni quand on sort la Bible, mais d'autres, aux États-Unis par exemple, peuvent être punis quand ils sortent quand ils ne sortent pas la Bible et qu'ils enseignent le darwinisme. Ça fait partie de ce en même temps du monde protestant. Non, le fondamentalisme est un danger, parfois même de nouvelles forces obscurantistes qui peuvent se lever de ce côté-là. Donc, lourde tâche, à nouveau, vous avez, je dirais, acclimaté la République en France au 18e et 19e. Je reviens sur un mot que tu emploies dans le livre, tu dis « nous étions catholiques ». Et bien sûr, c'est un... D'abord, j'ai envie de dire,
Je pense qu'un certain nombre, Émile Poulain l'avait dit, je crois, il me semble, c'est une expression qu'il avait utilisée. En tout cas, c'est une expression que moi j'ai utilisée dans les années 80, je me rappelle, dans Libé, j'avais fait un papier en disant que finalement, il y avait quelque chose qui était en train de se faire, une sorte d'unité, d'unité catholaïque contre la pluralité, d'une certaine manière, contre la pluralité des traditions, des religions et des cultures. Alors, le côté catholique, c'est le côté plein, l'identité pleine. Le côté laïque, ce serait une identité vide, justement. Hein, il faut faire le vide. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de... Mais finalement, ça... Alors que c'était une image que j'avais longtemps portée au nu avec Claude Lefort, l'idée d'un vide central, soudain, je me suis dit, mais c'est trop facile et ça ne marche pas. Parce que s'il y a un vide, mais qui n'est entouré de rien, ça ne structure rien, pour revenir dans les termes de la critique de la raison politique. C'est bien le vide s'il y a une voûte, s'il y a une pluralité de pierres qui ont leur poids et qui s'entre-empêchent les unes des autres de tomber au milieu ou de prétendre être le pilier, d'une certaine manière. C'est ça qui crée une voûte, un espace structuré. Et donc, je pense que cette unité sans pluralité, c'est une identité mortelle. Et donc, il me semble qu'en 1905, la laïcité n'était pas catholique. On ne pourrait pas plus dire ça à ce moment-là. C'était difficile de le dire à ce moment-là. Elle était pluraliste, elle était ouverte. La laïcité est en train de devenir un principe de clôture, mais pas dans le sens que tu dis, de clôture au sens de clôture identitaire, de fermeture, un principe de l'identité. En gros, la laïcité est en train de prendre la place de ce qu'était le catholicisme de Maurras. C'est-à-dire, en fait, je ne suis pas croyant, mais le catholicisme, c'est la clôture de la France. La laïcité, on se fiche complètement de regarder en détail ce que c'est. La laïcité, c'est l'identité de la France. C'est en train de devenir une identité. Et c'est pour ça que ça a été repris par le Front National, et c'est ça qui me semble tout à fait inquiétant dans la situation d'aujourd'hui. Mais je me demande si ce n'est pas parce que nous disposons, je reviens à tes hypothèses fondamentales, alors là on rentre dans la philosophie politique, mais aussi la théologie politique. Je reviens à tes hypothèses fondamentales de la critique de la raison politique. Est-ce que nous ne sommes pas en France, et Macron aussi, tu vois, c'est ça ma discussion par rapport à ton livre, est-ce que nous ne sommes pas en France captifs d'un théologico-politique du corps, le corps du roi, le corps de l'Église, le corps social, le corps qui est un, qui est unique. Alors bien sûr, ça correspond à une, si je puis dire, à un logos qui est un logos vertical, hiérarchique, l'autorité, bien sûr, l'institution, mais dans un sens vertical. C'est le roi, c'est un père, c'est une figure paternelle, on a besoin de l'autorité paternelle. Et je me demande si la réforme, non pas dans son intention, mais dans ses effets sociétaux, politiques, n'a pas, quelque part, travailler à ouvrir un autre théologico-politique qui est aussi un théologico-politique, mais qui est un théologico-politique du pacte. Alors toi, tu parles de contrats, des contrats asociaux. Et donc, tu as une conception extrêmement critique à l'égard des philosophies du pacte. Est-ce que ce n'est pas justement la vieille tradition, la vieille tradition française qui réagit contre le monde anglo-saxon, mais quand tu regardes Le covenant des pères fondateurs de Cape Cod, mais le covenant chez Milton, le covenant dans la Révolution anglaise, le covenant chez les pirates. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les flibustiers, sur la flibuste. Il y a des covenants. Le covenant, c'est le droit de partir. C'est le droit de faire alliance, mais c'est le droit de rompre l'alliance. Eh bien, c'est un théologico-politique de l'alliance, de la nouvelle alliance. C'est très biblique, bien sûr. C'est une très vieille tradition. C'est une tradition qui date des sociétés de cueillette et de chasse. Le pacte, c'est fondamental, c'est une très vieille anthropologie, c'est pas du tout neuf, c'est une chose très ancienne, et comme type de rapport que ça instaure, c'est un rapport, tu dis amitié plutôt que fraternité. En fait, j'aime bien dans l'idée de fraternité le fait qu'on ne choisit pas ses frères, on n'est pas dans le choix. Mais c'est vrai que la théologico-politique du pacte, elle est plutôt élective, on se choisit mutuellement. On se choisit mutuellement, c'est le côté Massachusetts, si tu veux, c'est le côté apartheid, hein, c'est le côté on s'est choisi mutuellement et donc il n'y a pas de place pour d'autres. Hein, c'est ça le danger que je vois en effet. Mais c'est aussi l'idée d'un pacte conjugal, hein, ce n'est pas un modèle paternel, je dirais indissoluble. On ne peut pas rompre avec ses parents, s'arrêtent même pas. C'est un pacte conjugal, droit du divorce, c'est Milton, droit du divorce, droit de rompre avec son roi, c'est la Révolution anglaise, toujours Milton, le grand poète de la Révolution anglaise, droit de quitter son église, c'est les puritains qui inventent la possibilité de sortir de l'église.
Et finalement, Milton, à la fin, il a été tellement sorti de toutes les églises qu'il n'était plus nulle part. C'est une invention extraordinaire, c'est un droit fondamental. Pour nous, ça nous paraît très fondamental, une sorte de liberté fondamentale. Mais pour Milton, c'était lié à une affectio societatis, pour reprendre ton mot, c'est-à-dire l'idée qu'il n'est pas bon d'être seul. On rompt un mauvais pacte, une mauvaise conversation, pour nouer un pacte dans lequel il y a de la conversation, dans lequel on est ensemble, dans lequel on se parle, et non pas juste parce qu'on est obligé de cohabiter, parce qu'on est sous l'autorité du père et qu'il n'y avait pas de discussion. C'est pas une société du pas de discussion, c'est une société dans laquelle il y a de la conversation. Et donc le logos n'est plus horizontal, vertical, mais c'est la parole, c'est la conversation. Mais c'est un modèle très différent. C'est un modèle qui est moins romain, peut-être, au sens aussi de la continuité de la fondation romaine, territoriale. C'est un modèle qui est peut-être un peu plus grec, avec l'idée d'un archipel, de colonie, c'est plus maritime. Le monde protestant est un monde océanique, c'est pas un monde territorial. Nous ne sommes pas un pays comme les autres, c'est-à-dire nous ne sommes pas un pays comme les autres pays européens. Nous avons une singularité qui est l'existence d'un État qui a fabriqué, confectionné une nation. D'abord à travers une langue, ensuite à travers une monarchie absolutiste, c'est-à-dire qu'il a fallu un État fort pour se battre contre une religion forte. Il a fallu qu'un État se constitue pour empêcher l'Église catholique de diriger la société. Et comme cette religion était très forte, il a fallu un État très fort. Bon, cercle vicieux, peut-être, mais dialectique entre deux pôles qui sont forcés de se mettre au même niveau et d'utiliser même la violence, comme ça s'est fait en 1905, d'utiliser la force armée pour faire les inventaires dans les églises. Donc il y a eu une confrontation qu'il n'y a pas eu dans les autres pays européens. Alors, ensuite, tu nous parles du pacte. Oui, il y a d'abord le pacte sous forme de l'alliance entre un peuple élu et Dieu. Mais de cela est né quelque chose comme un juridisme, et effectivement, tu as parlé du monde américain, tu as parlé du pacte et du compact, du Cap Cod 1610 ou 1620, où effectivement 111 personnes font un pacte entre elles. 111 dissenters. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a une date de départ absolue. On s'enfante soi-même. On s'auto-institue. Pourquoi ? Parce qu'on a coupé les ponts. On est dans une terre promise, donc une terre vierge. Donc effectivement, il y a une sorte une sorte de fiat lux à partir d'une décision, d'une volonté qui unit des individus, mais parce que ils n'ont pas derrière eux le poids d'un État ou d'une tradition religieuse, dogmatique. Et c'est une empreinte qui fait qu'aux États-Unis, je dirais dans le monde américain, il y a, je n'ai pas les statistiques, mais il y a par 10 000 habitants, 5 fois plus de professions juridiques qu'en France. Dans, pour un peu, une typologie un peu simpliste, quand tu arrives dans un bled du Massachusetts, tu as deux points clés dans le village, c'est le temple et le drugstore, d'accord ? Chez nous, tu as deux points clés, c'est l'école et la mairie. À la mairie, bon, il y a des fonctionnaires territoriaux qui font respecter la loi, qui font des règlements. Et à l'école, on essaye d'enseigner non pas la religion, mais d'enseigner peut-être aux enfants à se passer de religion, c'est-à-dire au fond à penser par eux-mêmes, à se quitter leur famille. Voilà, au fond, c'est vrai que l'école est une vaste conspiration contre les familles. Alors qu'aux États-Unis, c'est la continuation de la famille. Donc là, il y a la primauté du juge. C'est vrai que nous, la figure de l'autorité, c'est le père, tu l'as dit, ou c'est le savant, ou c'est le leader, mais pour qu'il y ait un leader, il faut un peuple. Bon, il n'y a parfois plus de peuple. Donc,
c'est vrai que l'idéal protestant de l'autorité, c'est le juge. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le pasteur et le juge partagent le même... Un avocat. Le même, oui, partagent un rabat, voilà. Chez nous, le juge, ça marche pas. On a des traditions assez fâcheuses quant à l'indépendance de la justice. Et donc... peut-être qu'à un moment, nous sommes dans un moment où il n'y a plus de juges et plus de pairs. C'est embêtant. Mm. Et c'est pourquoi je me, si tu veux, cette exaltation que tu as du contrat, c'est-à-dire de l'accord délibéré, librement passé entre deux individus, qu'on juge abstraitement égaux alors qu'ils sont dans un rapport de force, le patron et l'ouvrier sont dans un rapport de force, hein. Et le chef d'entreprise n'a pas, ne peut pas négocier d'égal à égal avec son ouvrier, mais on fait abstraction de ça, on fait comme si ce rapport de force n'existait pas, et il signe un contrat, non pas dans la branche, mais dans l'entreprise. Voilà. On essaye de contourner le syndicat. Bon. Je voudrais juste dire une chose pour terminer. C'est que ce modèle américain ne marche pas en France, et ne marchera jamais en France. Et c'est là où nos dirigeants actuels se mettent le doigt dans l'œil. Parce qu'ils ignorent tout de l'histoire de France. Ce sont des économistes qui n'ont de rationalité qu'économique et qui ne savent pas qu'un pays, c'est aussi une tradition collective. Ce sont des siècles, ce sont des structures mentales et juridiques qui fait que, par exemple, aux États-Unis, on peut se permettre de tout miser sur le contrat parce qu'il y a une religion biblico-patriotique commune à tout le monde. C'est ça ce qui empêche la guerre des races et la guerre des classes. C'est qu'il y a sur le billet « In God we trust ». D'accord ? Prends un billet d'euro, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. C'est un billet de Monopoly. Bon, il n'y a aucune devise, aucune figure, rien. Il n'y a que des abstractions. Donc, si tu n'as pas ce ciment-là, et ça c'est ce que les libéraux français ne peuvent pas comprendre. Ils veulent absolument importer le modèle américain, mais on ne peut pas importer une tradition religieuse. Ce serait bien, autrement dit, un peuple de Dieu. C'est Rousseau, je crois, qui disait seul un peuple de Dieu pourrait être démocrate. Moi, je dirais que seul un peuple de protestants pourrait être démocrate. Mais ça marche pas. Chez nous, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que tu as un État qui est né il y a très longtemps, et tu as cette empreinte catholique, et puis tu as la Révolution française. Bon, la Révolution française, c'est pas la conversation. La Révolution française, c'est la confrontation. Et je sais que c'est un problème, mais c'est vrai que nous avons une propension, je dirais, au rapport de force, à l'imposition, à la violence, au défilé de rue, que je ne vois pas à Stockholm ni à Oslo, figure-toi. J'ai souvent été en Scandinavie et c'est pas le même pays. C'est pourquoi ceux qui veulent nous vendre un monde scandinave sont de pauvres économistes qui devraient faire de l'histoire et de la géographie. Je pense que le rapport à Machiavel, il faut le compliquer aussi. Il faut dire oui à Machiavel et non à Machiavel. Oui à Machiavel parce qu'il y a des moments où, en quelque sorte, en effet, il y a un écart total entre l'éthique et le politique. C'est vrai. Mais il y a aussi des fois où l'éthique peut, de l'intérieur, orienter le politique. Il y a des situations, disons, de démocratie ordinaire où il n'y a pas une telle rupture entre la morale et la politique. Et il fut un temps où nous souffrions de la confusion hypocrite entre la morale et la politique, et donc il fallait marquer cette rupture. Merleau-Ponty nous a aidés à le faire. Bon. Mais aujourd'hui, nous souffrons aussi un petit peu, et c'est ce que disait Ricoeur, de l'excessive séparation de la morale et de la politique, sans voir qu'il y a aussi des intersections. Et Ricoeur est très très équilibré. Il dit d'une part, on passe à Ricoeur et puis on va terminer par là. C'est d'accord. Ricoeur, il ne faut pas faire l'alternative entre soit on est politique, à ce moment-là on n'est pas moraux, soit on est moraux, à ce moment-là on n'est pas politique. Je pense que cette alternative, elle est trop dure. Hein. Bon, je pense que, non, il y a un temps, je dirais, d'intersection entre les deux, dans lesquels on peut infléchir de l'intérieur le politique en y introduisant des exigences éthiques, qui sont des exigences de justice sociale, de solidarité, des exigences, c'est pas seulement de transparence, hein, dire, la morale individuelle, on est en politique quand même, dire, pour moi c'est absolument pas, je suis très français de ce point de vue-là, pour moi c'est pas fondamental. Même si je pense que quand même il y a une cohérence,
On ne peut pas faire le contraire de ce que l'on annonce et de ce que l'on demande aux autres. Là, je pense que pour les politiques, il y a une responsabilité politique qui demande un minimum de cohérence. C'est là que je dirais la morale. Elle est elle-même politique, cette morale. Mais donc, dans la démocratie ordinaire, on peut être à la fois dans le politique, en soutien, en essayant d'infléchir de l'intérieur, et un peu de l'extérieur, pour résister, pour protester, pour corriger le tir. Etc. On peut tenir les deux bouts en même temps, les deux rênes. La rêne de l'orientation de l'intérieur, de politique, et la rêne de l'extérieur, de la protestation et de la résistance. C'est exactement ce par quoi Ricoeur termine un grand texte intitulé « Le paradoxe politique au moment du coup de Budapest », un texte dans lequel il réfléchit sur le fait qu'il y a un paradoxe politique dans lequel il y a à la fois une rationalité politique et une irrationalité politique. C'est ça qui me prédisposait à lire la critique de la raison politique. C'est un texte qui avait été très important pour moi. Mais donc, dans la démocratie ordinaire de tous les jours, on peut être à la fois ceci et cela. Mais c'est vrai qu'il y a des... Et ça demande le respect mutuel. Il y a du respect. Le respect, je me rappelle, en 1981, juste avant l'élection de Mitterrand, tu avais écrit dans Le Monde une tribune dans laquelle tu appelais les uns et les autres au respect. Je me rappelle très bien ce texte magnifique sur une passion politique, la passion du respect. C'est-à-dire on fait avec ce qui est là, ce que tu viens de dire. On fait avec ce que nous sommes. Il ne faut pas faire des planches. Mais aussi, on fait avec la parole de l'autre. On fait ensemble. Bon, j'interprète peut-être ce que tu voulais dire. Mais en même temps, il y a des moments où il y a au contraire des ruptures. Et alors là, on rentre dans une éthique de, Ricoeur dit, de détresse. Il est très proche de Merleau-Ponty, en fait, là-dessus. C'est-à-dire, on rentre dans le tragique, dans lequel, par exemple, les insoumis, au moment de la guerre d'Algérie, il n'y avait pas de bonne solution. Soit on était soldats et on pratiquait la torture, soit on était insoumis et on aurait... C'est comme si on avait, disait Ricoeur, accepté que notre État soit détruit. Et est-ce qu'on peut accepter que notre État soit détruit ? Ricoeur, qui a vu son État détruit en 1940, qui est resté prisonnier 5 ans pendant la guerre, à mesurer la gravité de sa non-violence de jeunesse. Hein, c'est un protestant, son père était mort à la guerre, il était né, grandi, pupille de la nation, il avait grandi dans une protestation non-violente, Sacco e Vanzetti, etc. Et il a mis du temps à comprendre, et pourtant il y avait des amis autour de lui, il y avait Philippe, comment il s'appelle, son prénom. Pardon. André Philippe, merci. Il y avait André Philippe, qui était un grand ami de Ricoeur des années 33, qui disait « Non, Paul, tu te trompes. » C'était les Barthiens d'Allemagne qui l'avertissaient que Hitler, c'était l'horreur. Et lui, il ne voulait pas en croire. Il disait « Non, l'Allemagne a été humiliée. Il faut l'accepter, etc. etc. » Et puis en 39, c'était trop tard. Et donc, c'est pour ça qu'il dit dans ses textes intitulés « État et violence » et d'autres textes, il dit « Non, derrière l'État le plus démocratique, il y a de la violence. » Et il faut résister à ce qu'il appelle la tentation terrible de la bonté. Il faut donc penser une démocratie armée. Voilà. Notre problème, c'est comment penser en même temps une démocratie ordinaire, dans laquelle on peut, je dirais, tenir les deux bouts, les deux rênes dont je parlais tout à l'heure, et en même temps accepter qu'il y a parfois une démocratie armée. Et je pense que si on pense uniquement une conception, je dirais, machiavélienne, dans laquelle, de toute façon, c'est le prince, il est lion et renard, il est ruse et violence, d'une certaine manière, en face, il y aura de la lâcheté, et de l'imbécilité. C'est ça le problème. S'il n'y a que de la ruse et du mensonge, il n'y aura plus peu à peu que comme passion politique que la peur. Voilà. Donc il faut quand même, faut aussi faire crédit un peu de l'intérieur à la positivité du politique. C'est ça, à mon avis, qui manque chez Machiavel. Une théorie du magistrat et pas seulement du prince.